Allez, salut à toutes et à tous, Alaric pour Jetford Jiminy. Donc aujourd'hui on va finir les marées de Taoufret. Oula, qu'est-ce qu'elle me fait cette manette encore? Ah, oh, ça va pas recommencer. Alors bah c'est normal que je me souvenais pas des zones secrètes dans ce niveau, puisque en fait il n'y en a pas. J'aurais pu finir avec Juno dès mon premier passage. C'est juste que je n'ai pas. J'ai pas tué tout le monde. Donc bon. C'est pas grave, on va recommencer. Parce que maintenant, de toute façon, je peux tuer tous les ennemis avec toutes les armes que j'ai. On va pas s'en priver. Même les gros zombies, on peut les tuer au début. Avec le plasma en chargeant... En chargeant bien, ça finit par passer. D'ailleurs, il y en a un ici. Mais, allez. On va pas s'embêter. Dans cette zone, il n'y a pas énormément d'ennemis. Le plus dur, c'est de les trouver. Voilà. La porte est ouverte. Donc bon, je refais ce niveau, surtout pour les nounous, hein, puisque de toute façon, il n'y aura pas de morceau de vaisseau. Où est-ce que je suis là? Je suis paumé. Normalement, il doit y avoir des nounous derrière la porte. Bah non, c'est pas là que je voulais aller. Je suis vraiment paumé là, c'est fou. Oui, non, mais c'est pas là qu'il faut aller. Oh là là. Aujourd'hui, de toute façon, j'ai essayé d'enregistrer Astérix là. Ça fait un petit moment que je voulais vous le présenter, mais ça s'est tellement mal passé que je crois que je vais pas le faire finalement. C'était une catastrophe absolue. Alors, putain, elles sont sacrément grosses celles-là. Pour ça, le plasma est quand même pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des nounous? Il faut bien avoir quelque chose ici. Voilà. Bon, ça va, il y en avait déjà deux. Ah, oh, ben il y a même une extension de vie. Ah oui, ben c'est la dernière qui me manquait. Voilà, moi je les ai tous. J'ai toute ma vie. On va continuer. Je suis désolé si je dois refaire ce monde, hein, c'est pas des plus palpitants. Mais bon. Faut que je vous montre quand même l'emplacement des nounous, puisqu'il y en a qui sont quand même bien cachés dans ce niveau. Alors, est-ce que les portes... Non, il faut les recasser.
Si je me souviens, il y avait des voilà, de nounous ici. Dans l'autre porte, il y avait une arme. Et surtout, voilà, là, il y avait la trappe. Qui maintenant, c'est ouverte, puisque j'ai le pied de biche. Que nous avait fourni l'autre en échange de son caleçon, là. Je vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un nounous qui court vers moi. Hein? Un nounous emprisonné. Oh là, les arbres cet endroit. Mais qu'est-ce que c'est ça? Encore un nounous ici. Attendez, il y a des portes qui s'ouvrent sur les côtés. Ah, d'accord. Il doit falloir tuer tous les ennemis pour débloquer la prison. Ils sont tous là en fait. Non, je voulais pas changer d'arme. On va tous se les faire. En visant la tête, ça passe mieux. Ils étaient tous là. Allez. Franchement, ils ont rien d'autre à foutre, ces fourmis, qui doivent rester planquées derrière une porte. Allez, la dernière. Non. Ah, c'est bon. Donc j'ai récupéré tous les nounous de ce niveau. De cette zone, en tout cas. Et il nous reste la deuxième zone de Taoufret à terminer. Puisque le château, de toute façon, je l'ai fini. On n'a pas besoin d'y retourner. Voilà. Alors, précision 100%, ça c'est beau. Voilà, la zone de pont. Oh, ils sont pénibles. Alors, on a 12 nounous cette fois. J'ai réussi à en tuer un avec une balle. Je devrais pouvoir y arriver là. Petit truc pour le lance-fouineuse. Ça m'intrigue toujours cette... Y a pas une plaque pour le jetpack ou un truc?
me dirait qu'il y a une grotte. Bon bref. En fait ça sert à rien sûrement. De toute façon j'ai récupéré les 4 nous de cette zone là. Alors aussi il me semble qu'il n'y en a pas hein, de nounous, donc on va foncer. Je vais pas m'amuser à tuer tout le monde. Alors la porte est ici. Alors je sais plus, la dernière fois j'avais tué cela. Je sais pas si c'est nécessaire. Ah si. Ok. Super, mon invincibilité a disparu. Oula. Petit lag. Voilà, il suffit de tuer le vaisseau. Alors, la zone du caleçon. Pas importante non plus. Alors là, je sais pas s'il faut tuer aussi les fourmis. J'espère pas, parce qu'elles sont assez nombreuses et c'est assez chiant. Bon, l'avantage, c'est que je récupère un peu de munitions. Oula. Oui, le sang multicolore, il a disparu. Bon, il n'y a même pas de porte. Je pense qu'il doit se désactiver. Chaque fois que je quitte le jeu, donc je vais essayer. Je vais le réactiver. Bon, à chaque fois il se met sur non. Voilà, allez. La dernière zone. Donc on avait un nounous dans cette maison-là. Qui était surveillé par... par une fourmi. On obtenait le sniper. On avait les nounous en dessous là dans le sous-sol où on récupérait les parties de Floyd. Ça je crois que je vais le faire en vidéo parce que je vous avais déjà montré les souterrains. Pas très utile que je le refasse. Par contre, je vais vous montrer l'emplacement de deux nounous mais. Ils sont hyper bien cachés. Faut vraiment le savoir, ça. Voilà. Dans cette salle, vous prenez une torche. Et normalement... Voilà, ici vous avez une plateforme. Et vous avez un étage. Avec deux nounous. Bien planqués.
Alors, franchement, pour arriver à deviner ça, bah, tout seul, faut vraiment être fort. Je vous cache pas que je me suis renseigné parce que honnêtement, j'avais pas envie de passer 50 heures à chercher les deux nounous qui manquaient. Voilà, les quatre derniers se trouvent dans de l'autre côté des souterrains. Donc je vais aller le récupérer en vidéo et on se retrouve à la fin de la zone. Ok, c'est bon, j'ai récupéré tous les nounous. Et donc je peux terminer le niveau. Donc on en a fini pour cette planète. Et là j'ai dit ouf, parce que franchement... c'est loin d'être ma planète préférée. Donc on va sortir de là. Et on va se diriger à présent vers le niveau de Vela. La Sekhmet, le vaisseau Sekhmet.